Il y a quelqu'un parmi nous qui a fait un rêve. Il dit ce rêve. C'était le temps qu'on a revenu. Il dit la vie d'autre le Koya. Il a donné un clé. Il dit cette clé, ce n'est pas seulement elle. C'est beaucoup de clés qu'il a donné. Vous pouvez cette force. Alléluia. C'est la restauration de notre gloire. Alléluia. Alléluia. Quand tu reçois la clé dans le rêve, la clé c'est autorité. La clé signifie ta destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu aide dans le Suisse. Il y a plus, il y a beaucoup qui vivent avec un cadenas satanique. Programmé dans le ventre, programmé dans leur vie, qui sont déjà utilisés pour freiner la destinée de toi, de cette personne. Alléluia. Donc comment la personne va rentrer dans son gloire? Comment la personne va rentrer dans son original? Comment la personne va rentrer dans le plan et la bénédiction de Dieu, que Dieu le aide? Comment la personne va vivre correct dans le Seigneur? Car il y a cette année qui déjà fermé la santé. La santé est fermée. La joie est fermée. Mariage est fermé. Toute bonne chose qui doit rentrer dans la vie des personnes est fermée. On travaille et les gens qui ne travaillent pas, même ils sont même bien plus que nous. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vit dans la vie des personnes. Avant de nous voir, à la puissance dans le sang de Jésus. La prière, le chanson dit, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, toi puissant dans le sang de Jésus. Toi puissant dans le sang de Jésus. Toi puissant dans le sang de Jésus. Rentre dans ma vie. Rentre dans ma vie maintenant. Là dans ma fondation maintenant, là dans ma tête maintenant, là dans mon corps maintenant, localise toute minute satanique, tout cardinal satanique, tout démon qui a pris la place de mon corps. Sans de Jésus-Christ, tu la
cassez-les de Merci Seigneur Jésus. On vient de commencer. Dieu m'a rappelé un témoignage. Thank you, Jesus. Des fois, c'est pas n'importe quelle maladie ou quoi, on a fait le souffle qu'on peut aller à l'hôpital. Mon grand frère, il a fait le souffle son pied et après il a son bras. Il voulait paralyser. Et on a, comme il a, tout le monde commence à pleurer. Qu'est-ce qui passe? Parce que c'est quelqu'un qui travaille, qui garde toute la famille. Comment le monsieur là va tomber malade maintenant? Allez-y. Le temps là, on n'a pas encore connu les choses. Mais il est sous petit, mais quand même. Depuis, il a commencé à aller à l'église. Mais après, quand le problème était grave maintenant, après il a amené à l'hôpital, il dit non. Il dit c'est spirituel, c'est pas un problème pour l'hôpital. Alléluia. Après maintenant, ils sont partis appeler les gens qui prient. Quand les gens sont venus, un monsieur l'a venu avec son. Il a venu avec toutes son choses. Et après, quand il a fait tout, que Dieu nous a aidés. Il commence et il a fait tout ce qu'il a fait. Je vous dis, tout ça qui commence à sortir dans cette pied et dans cette autre main, c'est la cardinal. C'est pas caché, il va, ça sort. La cardinal, il y a des choses terribles qui sont dans son corps. Alléluia. Donc, ils sont demandés comment ça a été rentré, ils sont invoqués ça. Alléluia. Plus mal, il y a ça qu'on a souffert aussi là, c'est pas. C'est invoqué. Il y a beaucoup qui vivent avec le cardinal. Il y a beaucoup qui vivent avec beaucoup de choses, des choses terribles dans leur corps. Alléluia. Il y a beaucoup qui vivent avec beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on ne doit pas jouer avec notre vie. On ne doit pas jouer avec notre vie. Et Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Et Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Même le temps de mon père aussi, quand on était. Et dans le travail, il a passé le travail normal. Mais quand il est revenu, son pied, il a commencé à voir le problème dans son pied. Il a parti à l'hôpital. Après ça, le deuxième jour dans l'année, avant que le matin, son pied est déjà gonflé. C'est déjà comme double comme ça. Un déjà gros. Et c'est pas seulement le gonflé. Il a commencé à le gratter dans le bidon. Oui. Alléluia. Donc, quand. On m'a appelé, j'ai arrivé là-bas, je vois ça, il dit papa. Ça, c'est pas, il dit, son enfant a dit, il va aller à l'hôpital, on va y aller opérer. Il dit, opérer quoi? Qu'est-ce que tu opères? C'est comme ça qu'on fait une opération. Laisse ça là, ça c'est pas l'opération. Tu ne veux pas que c'est une attaque. Papa, comment ça est arrivé? Il m'a expliqué. J'étais à travailler hier, il n'y avait pas de problème. Mais c'est comme ça, ça a commencé à travailler, m'a amené à l'hôpital. Et après, j'ai fini, je reviens, regarde. J'ai dormi, je reviens le matin, là, regarde mon pied, il n'est pas sorti. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis parti prendre du donjon dans la maison où j'ai demandé s'il y a du donjon avec la main. Je ne sais pas, peut-être je suis parti prendre moi. Et puis, je lui ai dit, bon, prends-moi, je lui donne bois et je prends le reste, je fais ça comme un crème. Et je lui ai posé. Il a laissé. C'était le matin, j'ai laissé dans
Donc peut-être prends le carton de l'autre et revient. Cette pile, il a retourné normal. Alléluia. Et c'est ça que sa femme dit, aïe aïe pas appuyer, va aller à l'hôpital, va appuyer, va appuyer. Il va appuyer, va appuyer. Appuyer quoi? C'est toutes les choses qu'on appuyer. C'est quand ça qui passe dans le pays civilisé, toutes les choses, appuyer, appuyer, va aller, appuyer. Appuyer quoi? Alléluia. Le problème spirituel, tu voulais aller opérer. Mets un peu les opérations là-bas, la personne est finie. C'est comme, sa vie est finie. C'est comme ça, la personne rentre comme nous dans la souffrance jusqu'à la mort. Alléluia. C'est pas tous les choses. C'est pour cela que les gens souffrent aussi, parce que le gens qui doit aller, le pasteur qui doit faire l'affaire, c'est le pasteur même qui va d'abord dire à la personne d'aller à l'hôpital. Il va dire à la personne le meilleur hôpital là qu'on va faire l'opération là. Alors qu'il dit d'abord, c'est lui qui doit faire cette opération. Alléluia. Et nous aussi, parce que nous aussi, on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas la parole de Dieu. Nous aussi, on va aller pour aller là-bas. Il va commencer la destruction de notre corps. Alléluia. Parce qu'on n'est pas le foi. On pas, notre foi n'est pas capable. Que Dieu nous fortifie dans notre souveraineté. On va aller dans notre foi, on va prier. On va prier. La question magnifique dans ma vie, sortez, la personne 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 magnifique dans ma vie, sortez, le nom de Jésus, 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 sortez. Toute plantation magnifique. Toute plantation magnifique. Dans mon pied. Dans mon pied. Dans mon jambe. Dans ma chambre. Dans mon dos. Dans mon ventre. Dans mon ventre. Dans ma tête. Dans ma tête. Dans ma main. Dans mes yeux. Dans mes yeux. Dans mon père. Dans mon père. Sors parfait. Sors. Sors. Oh!
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah, the pieces. Don't listen to Jesus. Yeah, the pieces. Don't listen to Jesus. We bless and share. 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 Il ne veut pas que j'avance. Il ne veut pas que je rende à ma gloire. Chaîne ascensionnelle. Chaîne générationnelle. Chaîne esprit de Zoom. Chaîne esprit de Marie. Chaîne de Zébus. Chaîne de Zébus. Chaîne de fétiche. La restauration,
tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. L'esprit descend, l'esprit de Marie, dans le doublé, sans viser. Laisse magnifique. Alias magnifique, dans le ciel. Peace. Peace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Yes, Lord. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Oublie le chien. Oublie le chien. Oublie le chien. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Comme on a dit les prières, il y avait les voix ancien bâtiment. I saw old house, old building. Old building, old building. That's where everything that happened to that person is coming from. An old building. Ancien bâtiment. Dans le village, il y a un forêt là-bas. C'est tout ça qui a été trouvé, la personne, c'est là que ça vient. Lié dans cet ancien bâtiment. La personne s'est liée là-bas. Alléluia. That person is tied in that old building. But today, the Lord is going to set you free in the name of Jesus Christ. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va libérer la personne. Il va libérer la personne. C'est le mois de restauration. La gloire des personnes qui sont liées depuis longtemps. La gloire des personnes qui sont bloquées, attachées dans cette ancien bâtiment. Aujourd'hui, là, oh, Seigneur Jésus-Christ, on va faire quelque chose. La Bible dit, Dieu dit, mon peuple, il dit Josué, dis mon peuple, criez-vous sept alléluia. Sept alléluia pour, c'est ça qui a détruit le mur de Jéricho. Oh Seigneur Jésus. War of Jéricho for the bread. War of Jéricho for the bread. When the children of God are dead, the war of Jéricho for the bread. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Give up, give up, give up.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre livre va prendre cette chanson. Par la grâce de Dieu et ma life, no matter what they say, pouvoir changer dans ma vie. Va changer la mer dans ma vie. Trop se trouve sur le moyen de restauration, sur le moyen de nouveau commencement, sur le moyen de restauration. Alléluia. Sur le moyen de régénération, que le pouvoir Seigneur par ta puissance, par ta miséricorde, que ta puissance descend dans ma vie et déracine tout le puissant des ténèbres qui me trouve. Que la puissance Seigneur Jésus. Dans cette prière, dans cette veillée, Seigneur, je veux recevoir de nouveau puissance de l'accélération, de nouveau puissance pour rentrer dans ma gloire, de nouveau puissance pour lui organiser ma vie, de nouveau puissance qui montre les gens que vraiment je suis un enfant de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je veux, touche ma vie maintenant. Touche ma vie, Seigneur Jésus. Baptise-moi avec un niveau puissance. Touche ma vie, Seigneur Jésus. Thank you, Jesus.
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, non, puissant de la prière. Toi, serpent de la maison de mon père. Toi, serpent de la maison de ma mère. Toi, serpent de mon lieu de naissance. Toi, serpent de cette vie. Qui a avalé ma voix. Qui a avalé ma voix. Qui a avalé ma voix. Par la puissance de l'exemption de l'esprit. Tout d'abord, vomis ma gloire maintenant. Holy Spirit of God. Thank you, Jesus. Tout l'eau. Tout l'eau. L'eau que voit la mer qui a été troublée et de voir les choses que vous voulez lancer. Alléluia. Tout l'eau. Prenez cette prière très bien. Parmi nous qui a déjà fait le sacrifice, jeter dans l'eau, à côté de l'eau, n'importe où qu'on a déjà fait ça, qui concernait l'eau. Ou laver dans l'eau. Prends ton lèche, jetez dans l'eau. Alléluia. Priez cette prière bien. Alléluia. Tout l'eau. Tout l'eau. Tout l'eau. Tout l'eau. Qui a avalé ma gloire. Qui a avalé ma gloire. Qui a avalé ma gloire. Qui a avalé la gloire de mes enfants. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de sa prière. Seigneur, merci. Continue. Continue avec les militaires de ciel qui sont avec nous. Continue, Seigneur Jésus. Nous sommes dans le combat. Tous les enfants, ils nous l'ont compris. C'est ça que quand je vois les chrétiens, ils sont en train de s'amuser de ce que ça a fait pour nous. Guéris. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Si Jésus a fait tout pour nous, il ne peut pas nous donner la puissance. Il sait qu'il y a le combat à faire. Il y a le combat à faire. Il y a le combat que Dieu doit faire. Il y a la victoire que Dieu doit gagner. Guidez-moi, Seigneur Jésus. Guidez-moi. 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 Seigneur Jésus. Guidez-moi. Il y a le combat. Seigneur Jésus, guide-moi, Seigneur Jésus, guide-moi.
Nous combattons contre la présence de la chair. L'esprit qui fait la chair ne veut pas. Le diable qui nous saoule partout sur la chair. Il est toujours avec nous. Alléluia. Il ne veut pas qu'on laisse la fête de monde. Il ne veut pas, il ne veut pas. Je vous dis, passez quoi? Cette chair, c'est la terre. C'est des choses que les gens ne comprennent pas. C'est une grande révélation. La chair là, ça vient de la terre. Et la terre, c'est le monde. Alléluia. Amen. La terre, c'est le monde. C'est pour ça que la chair là, c'est le monde. Et l'esprit qui est dans notre vie, c'est Dieu. C'est ça qu'il a souffert comme nous. Alléluia. Amen. C'est ça que l'esprit s'est venu chercher. C'est pas la terre. Il a venu chercher cet esprit. Mais la chair. Qui couvre cet esprit ne veut pas et en plein Dieu ne veut pas. Ne veut pas parce que la chair, le monde, c'est le diable. Que Dieu est le nom de Jésus. Tout ce qui va rentrer dans le royaume de Dieu doit être militaire. Tout ce qui a bien rentré là-bas, ils sont les militaires. Ils sont les soldats de Dieu. Si tu n'es pas soldat spirituellement, tu ne rentres pas là-bas. Tu ne peux pas jamais voir là-bas. Alléluia. Je vous dis, vous avez vu comment tous les soldats, les militaires, ils sont leur camp. Leur camp, c'est toujours séparé. Construire même des barrières, très grands. Hein? Pour vous dire qu'ils sont séparés. C'est comme ça que tous les enfants de Dieu doivent être au milieu d'eux. N'importe où que vous trouvez vous-même, vous allez être séparés. Séparés, différence. Tout, chose que vous doit être différence. C'est comme ça les militaires. Tu ne peux pas voir un militaire mirage avec un civilien. C'est ça, non? Civil, n'importe quoi. Tu ne peux pas voir un militaire mirage. Vous allez le voir, il vient là-bas aussi, voir, vous allez le rire, le pied comme ça, un militaire vient aussi, le pied là. Là, jamais. N'est pas le temps de ça. Est-ce que vous avez vu même lui? Il est le temps de lui. Un vrai militaire, c'est pas un militaire de guerre. Vous avez vu la vie lui? Avant de voir son don même, c'est difficile. Il est juste sûr. Alléluia. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent être. Toujours sérieux, spirituellement. Parce que celui qui nous a appelés, la Bible dit, celui qui nous a recrutés dans cette soldat, cette affaire, il nous a recrutés, celui qui nous a appelés, il nous met dans, Dieu nous a choisi et sépare. C'est pour ça qu'il nous a donné la loi divine qui nous garde. Tout le militaire, il a le loi qui les garde. Alléluia. Le militaire, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi avec les civils. Les civils peuvent avoir un peu. L'État peut pitié les civils. Hein? Quand il fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais si un militaire fait ça, ça punit va être juste. La punition va être double. Parce qu'il doit encore plus. C'est comme ça que les enfants de Dieu, les gens s'amusent avec les condamnés. C'est la Bible qui nous dit. Alléluia. Seigneur, nous sommes avec ta puissance de prendre contrôle. Nous sommes dans le programme de restauration de notre gloire. Viens nous restaurer, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ta puissance. Conduis-nous. Et montre-nous tout ce qu'on doit faire ce soir. Et donne-nous la prière prophétique qui va aller direct. Et donne le ténèbre. Donne le convoi. Donne le roi de diable lui-même. Détruit et dégage. Et libère notre gloire. Au nom de Jésus-Christ. Envoie ta parole. La Bible dit tu envoies ta parole et ta parole nous libère. Envoie ta parole avec nos faits. Et ta parole nous libère complète. Au nom puissant de Jésus, à vos prières. Amen. 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 Je partage cet endroit avec le fait
notre maison, la, les enfants et notre voiture, tout ce qui nous concerne, c'est le souci de barricade tout avec le feu de Dieu et le sang de Jésus-Christ. Et à la fin de ce programme, que toute gloire revient à toi, Saint Esprit. Au nom puissant de Jésus, à vos prières. Amen. Amen. Alléluia. Assez-vous, assez-vous, on va regarder et prendre un peu de temps pour regarder la parole de Dieu et continuer dans la prière. Alléluia. Je pense que nous tous, on a notre lieu de onction. Parce que je vous avais envoyé le message. On vient avec notre lieu de onction. Alléluia. Amen. Ok, on va. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans le 8e mois. Alléluia. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas que tout le numéro qui on voit là signifie quelque chose spirituellement. Alléluia. Le 8e mois, là, le 8, le mois passé, c'est le 7, le mois de perfection. Alléluia. Perfection, le mois de Dieu est parfait. Tout, il voit que tout ce qu'il a créé, ce qu'il a déposé, moins de perfection. Et c'est lui, Dieu, qui a le sept esprits, l'esprit de perfection. Amen. Maintenant, après ça, le 8. Quand on voit dans la vie de. Le temps de Dieu, dans le livre de Genèse, il y a un mystère là-bas. Il y a 8 personnes qui sont sauvées dans cet monde. 8 personnes. Noé avec elle. Sa famille sont 8. 8 people were saved. Just want to touch the mystery of 8. Alléluia. 8 personnes. Et après cette, tout ça que Dieu a fait, la Bible aussi dit, dans le Genèse chapitre 8 aussi. Genèse chapitre 8. Pour confirmer que c'est le temps de régénération. Lord also to confirm that it is time for regeneration. He come again to meet them in chapter 8. C'est dans le chapitre 8 aussi que le Seigneur il a revenu. La Bible dit, et il a dit chapitre 8, verset 1, il dit Dieu il a rappelé Noé. Alléluia. Dieu il a rappelé Noé. Ils sont 8. Et il a venu aussi dans le chapitre 8. Alléluia. C'est parce que c'est le temps de recommencer. Alléluia. La régénération. La résurrection. Alléluia. Il a venu. Où? Comme il a venu, la Bible dit, là, c'est comme ça que le monde que nous sommes aujourd'hui a recommencé. Alléluia. Avec 8 personnes. Amen. Et nous le fortifier. Après ça aussi, les choses continuent. Il y a beaucoup de choses qui parlent de 8 dans la Bible. Le temps de Jésus aussi, c'est la même chose. La Bible dit, quand il a ressuscité le premier jour dans la semaine, il fait le 8. Alléluia. Comme on a fini, 7 mois fini. Ça, c'est le premier mois, alléluia, qui a fait le 8. C'est comme ça aussi Jésus-Christ. Le premier. Donc, c'est le moins le 8, c'est le moins de résurrection. Alléluia. Tout ce qui est mort dans notre vie va ressusciter dans cette mort de Jésus-Christ. À partir de maintenant, toutes choses qui est mort, toutes choses qui sont déjà enterrées, détruites, fermées, dit que ce n'est pas impossible, il ne peut pas jamais. Ah, cette personne, jamais, on a déjà fini son cas. À partir d'aujourd'hui, la puissance de résurrection de Jésus va localiser cette chose, va nous libérer dans le Jésus. Partout là, ils sont, on nous a enterrés. N'importe où, dans le cimetière, dans l'eau, n'importe où, dans le cadre du monde, on nous a enterrés. La puissance de résurrection va nous localiser cet endroit et va nous libérer dans le Jésus. 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 Et la puissance de Jésus à nos prières. Toute présence satanique, toute cache satanique, qui nous a frémé depuis longtemps. Frémé notre gloire. Frémé tout ce qui nous concerne. La puissance de résurrection de Jésus. Il va nous réaliser cette cage, cette prison. Il va briser tout et nous libérer de Jésus-Christ. Libère-nous, Seigneur Jésus-Christ. Libère-nous, Seigneur Jésus-Christ. Libère notre vie. Libère notre santé. À la puissance de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus à vos prières. Amen. Amen. Amen.
Amen. Maintenant, il nous a dit quelque chose dans le livre des Psaumes 84. Psaume 84, le livre de Psaume 84, verset 11. 84, 11. Je pense que le français, c'est 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. 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 Le Bible dit, God is one that gives the sun, the moon, everything good. And you will never, never, never refuse to give, to do good things to them that walk in uprightness, that holiness, righteousness. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui marchent dans la sainteté, le Seigneur ne peut pas jamais refuser ces gens. Les gens qui marchent dans la sainteté, c'est la sanctification. Le Seigneur nous a appelé, l'appel là, c'est pour la sanctification. Marchez-vous dans la sainteté. Il dit, le Seigneur ne peut pas jamais laisser ces gens. Alléluia. Donc, pour restaurer notre gloire, pour que notre gloire soit restaurée, on demande, il y a quelque chose que le Seigneur demande, la restauration de la sainteté. La sainteté, c'est très, 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 très important pour tous les enfants de Dieu. On reçoit la puissance de Dieu pour marcher dans la, pour recevoir notre, la restauration de notre gloire. Très importante. Que Dieu nous fortifie dans le Jésus-Christ. Que Dieu nous fortifie. Donc, il a dit, il y a quelque chose. On va regarder quelque chose. Mais pourquoi les enfants de Dieu, les pervers, on ne comprend pas toutes ces choses-là? Pourquoi on ne comprend pas la fête de sanctification et marcher dans la sainteté? Pourquoi tout ce message est disparu dans l'église? Pourquoi nous, on a dû pleurer et chercher et demander à Dieu, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe? De prier. Pourquoi tout ma prière? Pourquoi tout ça que demande? Je n'ai pas vu ça. Voilà le problème. Malachie, dans le livre de Malachie. In the book of Malachi, chapitre 2. Le livre de Malachie, chapitre 2. Voilà le problème que les enfants de Dieu ont en train de souffrir. Le livre de Malachie, chapitre 2, on peut commencer à partir de verset 1. Let us see the problem. Why? What is really happening? Oui, Malachie 2, chapitre 1, à partir de chapitre 1 jusqu'à 8. À vous, cet homme sacrificateur, pasteur, ministère, n'importe quoi, quel nom que tu t'appelles. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai votre bénédiction. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Alléluia. Ça, c'est ça, là, d'abord, c'est là que tous les sacrificateurs, les pasteurs, ministères, ils sont complètement condamnés par Dieu. Pourquoi les enfants de Dieu ne reçoivent pas leur gloire? Que leur gloire soit restaurée. Alléluia. C'est à cause de ministère, pasteur, bishop, apôtre, prophète, n'importe quel nom que tu appelles. Parce que quoi? Ils sont tous refusés de montrer les enfants de Dieu la loi de Dieu. Et à cause de ça aussi, ils sont déjà reçus la malédiction de Dieu. Continue, maman, il n'est pas arrêté là-bas. Voici, je détruirai vos semences. De détruire votre semence, ça veut dire que votre enfant, toi le pasteur, toi le ministère, tu ne prêches pas la vérité, tu ne dis pas les enfants de Dieu la vérité. Voilà ta position. Tu as fini. Alléluia.
Continue. Et je jeterai des excréments au visage. Uh-huh. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Les gens, je ne sais pas parce qu'ils sont, bien, ils sont ça. Alors qu'ils sont dans le problème avec Dieu. Continue, maman. Et on vous emportera avec eux. Uh-huh. Vous saurez alors que je vous ai dressé cet ordre, uh-huh, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel uh-huh des armées. Amen. Rappelle maintenant la fin de Lévi. La fête de Lévi. Et Dieu nous aide. Je ne sais pas si je vous dis la dernière fois ici que tous, la fête de Dieu, mes enfants, tout, c'est l'alliance que Dieu a fait avec les Lévi. Tous les gens qui savent, qui travaillent, le vrai appel de Dieu dans l'église de Dieu, le vrai église de Dieu, il y a l'alliance que Dieu a fait avec Lévi. Lévi, c'est tout le tribu, les gens qui savent, le pasteur et tout qui savent, le ministère qui savent dans l'hôtel de Dieu, dans la maison de Dieu. Il y a l'alliance, cette alliance, que tous ces gens doivent voir que la loi de Dieu, c'est vraiment correctement prêchée, annoncée pour tous les yeux de Dieu. Sans toucher, sans changer, sans faire, sans compromis. Allez, que Dieu nous aide dans les choses. C'est ça qui peut faire que les enfants de Dieu, s'il y a parmi nous qui a accroché leur vie dans cet message, leur loi sera restaurée. Allez, que Dieu nous fortifie dans les choses. Continue. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ok, continue. Que je lui accorderai pour qu'il ne craignît. Et il eut pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Alléluia. L'alliance est là avec nous. Tout celui qui a dit que Dieu m'a appelé. C'est pour ça que le livre qui parle de ma misère et ma lien ascensionnelle. C'est très bon pour tous les ministères, tous ceux de Dieu qui travaillent dans la maison de Dieu, pour connaître pourquoi je ne suis pas correct. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'on a dit de faire comme le monde. Et il y a la punition. C'est ça. C'est pour ça que beaucoup de gens veulent souffrir. Beaucoup de gens veulent souffrir parce qu'ils sont renversés et changés la loi de Dieu. Afin de prêcher ce qui plaît les gens. Afin de prêcher pour recevoir l'argent. Afin de prêcher pour être le meilleur prédicateur. Alors que c'est le diable qui est le meilleur prédicateur. C'est le diable le meilleur prédicateur. Alléluia. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. Pour être le meilleur populaire pasteur dans le monde. Alors que c'est le diable le meilleur populaire pasteur dans le monde. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. Dis les enfants de Dieu la vérité. On va te détester, on va te même jeter le caillou. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait ça contre notre père, notre papa. Tu dis que tu es un enfant de Jésus-Christ. Pourquoi tu es tout père de mourir? Tout père de mourir pourquoi? Est-ce que Jésus-Christ il est père de mourir? Dis-le la vérité. La Bible dit dans le Matthieu 5, il dit bénédiction à tous qui a persécuté à cause de mon nom. Il dit mon royaume sera pour vous. Pourquoi tu ne veux pas mourir dans la vérité et rentrer dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui est dans le monde là? Il te donne la joie. Qu'est-ce qui est dans le monde là? Il te donne la joie. Et tu ne veux pas dire la vérité. Dis les enfants de Dieu la vérité. Si tu ne dis ça pas, tu ne dis pas ça. Il y a la punition qui va commencer même sous la terre là, avant que tu mouilles. C'est pour cela que beaucoup de gens ont envie de souffrir. Ça veut dire souffrir. Ce n'est pas la richesse qu'on regarde. Des fois, vous regardez les enfants. Les enfants, regarde. Le ministère, regarde. Ils sont ministères, mais vous ne pouvez pas même. C'est les enfants qui ont été couchés dans l'église. Qui a fait de donner tous les gens dans l'église enceinte, c'est le fils de pasteur. Le fils de pasteur. Parce que son papa, il n'est pas craint de la parole de Dieu. Comment son enfant va aussi avoir la crainte de la parole de Dieu?
Et Dieu nous aide dans les esprits. Autrement, la loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité. Dieu il a mis la loi de la vérité dans notre bouche. Continue. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. L'iniquité ne s'est pas trouvée dans notre vie. Continue. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. C'est ça. Tous les vrais enfants de Dieu, tous les ministres de Dieu, tous les pasteurs de Dieu doivent prêcher la vérité pour retenir les enfants de Dieu dans le mauvais attitude, le mauvais caractère. Sinon, il n'y a pas la restauration de notre gloire. Il n'y a pas. Ça que on va, les gens vont seulement, ils cherchent maintenant le faux miracle. C'est faux miracle. Soit que tu as reçu là-bas, soit repenté. C'est faux miracle. Cet miracle n'est pas trouvé. Il n'est pas trouvé. Tout le miracle que Jésus-Christ a fait dans la Bible, tout, c'est les gens qui sont restés avec lui. Restés et continuer avec lui, qu'il est le miracle. Restés. Alléluia. Tous les gens qui Jésus-Christ a paralysé leur témoignage, leur miracle. Ils sont des gens qui continuent avec Jésus-Christ, continuent dans la vérité qui n'est pas retenue dans le monde. Immédiatement, quand tu retournes dans le monde, tu perds cette miracle. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est pour cela que la gloire, restauration de la gloire ne peut pas être, permanente. On doit dire nous-mêmes la vérité. On ne peut pas faire demander la délivrance sans obéir la parole de Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas le pasteur qui fait le miracle. Le pasteur ne fait pas le miracle. Le pasteur appelle, c'est un sacrificateur. Si celui qui voulait faire le sacrifice pour, il n'est pas dans l'obéissance. Ce sacrifice ne peut pas jamais accepter. C'est ça que les gens ne connaissent pas. Tu n'es pas dans l'obéissance. Et il te dit, ça que tu dois faire pour que ta sacrifice doit accepter. Parce que la prière qu'on a de faire, c'est ce sacrifice. Voilà ce que tu dois faire pour que ta sacrifice doit accepter. Tu refuses. Ce sacrifice, s'il si fait ça, il y a Dieu, c'est Dieu qui reçoit le sacrifice de prière. Maintenant, c'est lui-même qui va recevoir. Si tu n'es pas obéi, il ne reçoit pas. Et tout ça que vous avez fait, c'est zéro. Alléluia. Continuons là. Vous êtes où? Vers 6. Allez, vers 6. J'ai fini le 6. Ok. Le 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un employé. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Alléluia. For the priest lives should give knowledge. And they should seek the Lord at his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Le prêtre, le pasteur, le sacrificateur, il doit garder la sagesse. Quand il parle, quand il restreint les enfants de Dieu, il restreint, il est dans la sagesse. Alléluia. La sagesse de Dieu. Il doit leur dire, parce qu'il connaît la loi de Dieu, il doit leur dire la loi de Dieu, pour recevoir soi, pour recevoir soi, pour recevoir soi, pour rentrer et recevoir notre gloire, que notre gloire soit restaurée. Et il doit leur dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire pour recevoir cette restauration. Alléluia. Ça, la vie de Dieu. La vie de Dieu. Et donc, aide dans Jésus-Christ. Lis maintenant le 8. Mais vous, vous vous êtes écarté de la voie. Voilà. Continue. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et donne aide. Pourquoi on ne rentre pas, on ne peut pas rentrer dans notre gloire, la restauration de notre gloire? Il dit, on a déjà violé la loi de Lévi. Que Dieu nous aide. Dieu a dit de parler, la peine. Si vous voyez ça qui a été passé là, la peine qui a été passé là, c'est dans ce livre de Malachie aussi.
Voilà ce chapitre 3. Que Dieu l'a répété et nous rappeler la loi des dix. Rappelez. Maintenant, le commencement là aussi, ça nous a parlé, dit, vous avez violé la loi des Lévi. Parce que la loi qu'il a donnée de Lévi là, la loi des dix. C'est pour ça que je suis déjà rentré en train de parler et après, n'importe quoi, a dit ça. Dis, tu es déjà resté dans notre. Quand on va dans notre YouTube, on va voir ce message. Le message, répandez-vous dans l'attitude de satanique et de dire. Tout ce message, les gens sont en train d'écouter ça partout le monde. Ils ont envoyé le message. Alléluia. Le dîme, la fête des dîmes, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. On ne doit pas draguer ça. Si on est vrai, celui qui ne peut pas, il n'est pas dans cette classe. C'est pour les enfants de Dieu. La loi là, c'est établie dans le nombre 18. Le nombre 18. Et Dieu l'a dit, c'est la loi des dîmes, c'est perpétuelle. Perpétuelle. C'est irrévocable. Il dit, c'est irrévocable. Perpétuelle. Alléluia. Qui est cette pasteur qui a dit de modifier la loi de Dieu? La loi que Dieu dit, c'est irrévocable, perpétuel. J'ai fait ça avec mes enfants. C'est pour garder ma maison. Alléluia. Lis-tu jusqu'à la fin. Perpétuel. Et la Bible dit, tous, on va voir ça, on va voir là-bas, on va voir ça dans la Galate. Tout ce qui va recevoir la restauration de leur gloire, il doit obéir toute la loi de Dieu. Jusqu'à la fin, tu ne dois pas jouer avec tout. C'est ça que j'avais parlé. Il dit la loi que Dieu fait avec les Lévi, vous avez détruit. La loi que Dieu a fait comme nombre. Nombre. Le livre de nombre, c'est ça qu'il vient à toi après cela parler. C'est ça qu'il a parlé jusqu'à toutes les maladies. Retenez-vous. Que nous aide dans le Jésus-Christ. Que nous aide. On va voir encore cet nombre. On va voir encore. Nous sommes dans le message de la restauration de notre gloire. Il y a des choses que le diable a fait utiliser pour nous attaquer notre gloire et on ne sait pas. Il y a des choses que le diable a fait utiliser pour nous tricher, on ne sait pas. Il y a des choses, c'est pour ça que sacrificateur, tu dois dire les enfants de Dieu la vérité. Les gens qui vont écouter notre message là dans le YouTube, repartez, réarrangez-vous pour recevoir votre restauration. Vous devez, le moins que nous sommes là, c'est le moins de restauration. Mais on doit obéir Dieu. Obéir Dieu si vraiment tu es un enfant de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est pour tous ses enfants. Ce n'est pas pour n'importe qui. Donc c'est pour cela que les gens qui discutent, ils ne partent pas des Israélites de Dieu. La loi de Dieu, c'est pour Israël de Dieu. Si vraiment tu es Israël de Dieu, nous sommes Israël de Dieu achetés par le sang de Jésus-Christ et réarrangés et reprogrammés pour rentrer dans son royaume. Si tu es vraiment Israël de Dieu, toute la loi de Dieu, on doit obéir tout. Alléluia. Nombre, dans le livre de Nombre 18. Le book of Numbers 18. Alléluia. On va commencer pour ne pas perdre le temps. On va commencer par verset 19. Je te donne à toi et à tes fils. Avant de commencer d'abord, lis d'abord le verset 1. Verset 1, 2. Let us read. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Vous l'avez vu? Le pasteur, le prêtre, et tout ce que tu fais après toi-même, tout le péché commis sous le sanctuaire, c'est sous votre tête. Alléluia. Tous les rêves, tout ce qui a été passé là-bas, c'est sous votre tête. La même chose qu'il a dit aussi dans le Malachie. Alléluia. La même chose qu'il a dit dans le Malachie, quand il a dit, la même chose. Il a, c'est ça. C'est cette loi qu'il a fait. Toi, le pasteur, tous les règles que vous avez fait sous l'autel de Dieu, c'est Dieu va vous juger. Dieu va vous juger. Tous les conneries que vous avez fait, vous ne pouvez pas dire les enfants de Dieu, la vérité, vous va payer tout. Et tout le monde est dans le Jésus-Christ.
Il y a des gens qui ont dit parce que les autres pasteurs ne vont pas en enfer. Beaucoup de pasteurs sont déjà là-bas. Les people think that because I'm a pastor, because I'm this one, because I'm this one, I'm not going to hellfire. Hellfire has been filled already with the pastors and bishops and ministers already. They are already filled up. I mean, we need to run away. There is condemnation when you are not doing the work of God perfectly according to the Bible. Continue, Mama. Continue. Le verset combien? Continue. Verset 1, verset 2. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, amène-les dans ce travail. La tribu de ton père. La tribu, parce qu'ils sont de Lévi. Aaron, ils sont des tribus de Lévi. C'est pour ça que Dieu l'a choisi Aaron pour être prêtre dans le ministère de Moïse, dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Continue. Afin qu'il te soit attaché et qu'il te serve. Et les gens là, les Lévi, tout te savent. Vous travaillez ensemble. C'est pour ça que le pasteur, quand tu es là-bas, tu dois regarder parmi des églises qui sont les mêmes, qui sont ok, qui doivent travailler avec toi. Alléluia. Qui sont fidèles. Ils doivent travailler avec toi dans l'hôtel de Dieu. Alléluia. Continue. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras. Et ce qui concerne toute la tente. Ça veut dire que toi, que tu es déjà nommé, c'est toi qui vas renseigner les autres. Tout ça qu'ils doivent faire. Donc, ils vont observer tout ça qui est. Les pasteurs les ont dit, voilà ça comme ça, voilà ça que la Bible dit, voilà comment on doit faire les choses, voilà comment on doit faire les choses. Il doit observer tout. Alléluia. Continue. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles de sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous. Il y a des choses que tu ne dois pas faire, que c'est toi-même qui dois faire ça. Alléluia. Vous avez vu, non? Ils sont limités. Et toi, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Continue. De peur que vous ne mouriez. Vous l'avez dit, non? Pour éviter que ne mouriez pas. Parce que si vous faites les choses en désordre dans ma maison, si vous essayez de faire les choses en désordre, vous allez mourir. Et la mort, je dis que nous, on a dit, les gens pensent que c'est physique. La mort qu'il a dit de parler là, c'est qu'il va te couper, il va te chasser devant lui. Tu vas perdre ta relation spirituelle avec lui. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs ont perdu leur relation avec Dieu. Ils sont en train de maintenant travailler avec le diable. Et les gens pensent que parce qu'il y a le miracle, parce qu'il y a quelque chose, il y a la prophétie, c'est Dieu là-bas. Qui est Dieu? Quelqu'un qui a jamais les choses de la maison de Dieu en disant. En disant, l'église de Dieu va revenir discothèque. Tu dis, c'est Dieu qui existe là-bas. Quel Dieu qui existe là-bas? Esprit de Dieu a déjà pris le contrôle. Dieu a déjà coupé cette relation. Et Dieu aide nous le Jésus-Christ. Continue maintenant. Ils te seront attachés. Ok, ça va. Maintenant, descends dans le 19. 19. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles. Avec toi, par une loi perpétuelle. Par une loi perpétuelle. Maintenant, là où il a dit de rentrer, maintenant, c'est la fin de Dieu. Je te donne, et toi, à tes fils, et tout. Ça veut dire que tous, qui travaillez dans la maison de Dieu, c'est là où Dieu a rentré dans la fin de Dieu. Si vous lisez ça, le verset va commencer de voir comment il a fait établir, arranger, jusqu'à l'arrivée là-bas. Alléluia. Et continue maintenant. Toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Vous l'avez vu, non? Toutes les offrandes que les enfants d'Israël présentaient. Et les gens ont fait des péchés que les gens ne doivent pas payer le dîme, ne doivent pas payer l'offrande, ne doivent pas payer. Alors que Dieu lui-même a été établi son loi ici, perpétuelle. Perpétuelle. Toi, tu es un poussin, il dit les gens ne doivent pas payer, ne doivent pas payer. C'est démon incarné. Qui es-tu?
pour aller toucher la loi perpétuelle. Tu es qui? Tu es qui? Vous avez vu? C'est pour ça que si quelqu'un dit qu'il ne paie pas, celui qui ne paie pas, il n'est pas des enfants d'Israël. On ne va pas discuter. Il n'y a pas de problème. Ne paie pas parce que tu ne suis pas dans la fin d'Israël de Dieu. La loi, toute la loi que Dieu a établie, la Bible là, c'est pour les enfants de Dieu. Tout ce qui va obéir la Bible là, ils sont les vrais enfants de Dieu qui arrivent à préparer leur vie pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, tu discutes parce que tu ne suis pas dedans. Très simple. Très simple. Allez, continue maman. C'est une alliance inviolable et perpétuelle devant l'Éternel. Vous l'avez dit, non? C'était une alliance inviolable, irrévocable, irrévocable, perpétuelle pour Dieu. Continue. Pour toi et pour ta prospérité avec toi. Pour toi et tout qui va aussi sa vie dans la maison de Dieu, toute ma maison, tout mon vrai église. C'est pour cela qu'après Paul, il a dit dans l'église de Saint, les choses se font à porte. Les choses, mais toute l'église de Saint est sous la loi de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit ça avant d'entendre quoi il a dit ça. MFM n'est pas la loi, elle n'est pas une doctrine. Tout ce qu'on a en train de faire dans MFM, c'est la doctrine de Dieu. C'est l'église vivante de Dieu. On peut nous appeler ce sujet, on peut nous appeler quoi? Ça ne fait rien. Parce qu'on a dit de prêcher la vérité. On a dit la vérité. Ils sont appelés des excuses comme ça. On n'est pas là pour satisfaire quelqu'un. Alléluia. Tous les gens qu'on va satisfaire, c'est les vrais enfants de Dieu. Quand les vrais enfants de Dieu rentrent ici, là, ils disent, ah, ça c'est le temps que des chefs de pays pour arranger ma vie pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mais les faux gens, ils vont rentrer, ils vont nous accuser. Ils vont aller chercher le bon pour jeter contre nous. Mais tout le bon là va retourner sur les têtes. Alléluia. C'est ça. Cette église, c'est pour les vrais enfants de Dieu. Si cette église, c'est pas l'église de sainteté, moi, je ne peux pas rester dans cette église. Jamais. J'ai déjà, depuis ma vie, depuis 9 ans, j'ai déjà commencé avec une vraie église de sainteté. L'église CAC, le Nigeria. Là, le docteur Olivier est arrivé, il a sorti. C'est là qu'il avait commencé ma vie chrétienne. En tant que député catholique. Et après ça, je suis parti encore, dis pas life, l'église, la vie profondeur de sainteté. C'est ça que ça veut ça signifier. La vie profondeur de sainteté. C'est là qu'il y avait tout mon temps de bonheur. Comme c'est conduit et tout, c'est dans cette église. Alléluia. Donc le temps que je suis rentré à l'Europe ici, je commence à voir les choses. Je suis rentré à l'Europe ici. C'est des choses qui ont passé dans l'Europe pour moi. Comment je marcher dans le péché. Mais le temps que Dieu a fait, me dit, retournez. Je commence à fréquenter toute l'église. 14 églises, rien, zéro. Je commence à prier. Seigneur, où est ton église? Retournez. Comme il a dit, Jacob, retournez en Bethel. Jacob, retournez en Bethel. La vie que tu as de vie là, ce n'est pas la vie que Dieu donne. Dieu est mon alliance avec toi. Jacob, retournez en Bethel. Je commence à chercher la bêtise et Dieu m'a montré. Personne ne m'a amené MFM. Personne ne m'a amené. C'est Dieu qui m'a réveillé, m'a montré. Voilà, il m'a donné la clé. Il m'a dit, parti voir l'assistant général de MFM. C'est lui qui contrôle l'Espagne. Je suis parti, il voit direct. Papa, voilà, ça que Dieu m'a dit. Il a dit, ah, c'est ça. Qui est moi qui vais refuser la voix de Dieu? Alléluia. Donc, Dieu, tous les gens qui ont mis les pieds ici, c'est Dieu qui l'a amené pour leur dire là, montrer la vérité. Mais ils sont à cause de quoi? À cause du monde, à cause des pantalons, à cause des choses, et des choses périssables, des choses qui ne rien. Je regarde des fois, ça me fait mal. Dieu dit, mon sacrificateur. Ma loi, c'est dans ta bouche pour leur dire la vérité. Pour faire retourner tout ce qui est de la terre à faire, pour leur montrer le chemin. Mais qu'est-ce que tout le nom de Dieu a fait aujourd'hui? Le message, ça ne fait rien.
Je vais voir comment le pantalon va me faire, il y a de parler, il y a de Dieu. C'est toi qui as construit là-bas. Il y a la loi perpétuelle de Dieu. La loi, Dieu ne regarde pas quelqu'un avant qu'elle ait établi sa loi. Dieu ne connaît pas celui que tu aimes. Ce qui va te faire que Dieu te connaît, c'est quand tu lui obéis, il va te connaître. Si tu lui refuses, il te refuse. Alléluia. Que Dieu aide dans les esprits. La loi perpétuelle de Dieu. Dis-nous, Dieu ne peut pas avec Dieu. Si on lit ça jusqu'à la fin, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose aussi. Quand il a établi sa fini, il a aussi parlé à le sacrificateur aussi. On va lire le 31. 31, 32. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison. Car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente. Ça, c'est dans le dîme que vous allez trouver le salaire des pasteurs. Dans le dîme, vous allez trouver pour garder, quand vous lisez ça bien, vous allez voir tout. Comment il va utiliser ça pour garder la maison de Dieu, pour voir que tout se paye, tout se fait, tout se régule bien. Et lui aussi, il va mettre la main dans cette dîme, payer le dîme de Dieu et recevoir sa salaire et voir que tout. C'est pour ça que chez moi, je vous dis ça, je répète ça encore, pasteur ne travaillait pas, sacrificateur ne travaillait pas. C'est interdit. C'est pas la vie. Quand vous lisez les histoires de Lévi, jusqu'à le temps qu'ils sont dans le livre de Josué, quand ils sont rentrés dans la terre promise, quand Lévi sont en train de Josué a de partager tout ça que Dieu l'a partagé à tous les tribus de. Oui. Il n'a rien donné. Lévi sont déjà. Les possessions, c'est la maison de Dieu. Il n'y a rien. Alléluia. Mais ici là. Le pasteur va aller travailler et pour venir payer la maison de Dieu. Et nous, on va venir prier. On veut que Dieu va accepter cette prière. Jamais. Dieu n'est pas fou. Toutes ces prières qu'on prie, Dieu va prendre ça, il va donner ça au pasteur. C'est très simple. C'est la vérité claire. C'est la vérité claire. Les filles vont aller travailler. Lévi va aller travailler pour venir payer la maison de Dieu. Et les gens qui disent qu'ils sont les enfants de l'Israël, ils vont venir maintenant prier là-bas. Et ils disent qu'ils vont recevoir la prière. Ils vont dire qu'ils vont recevoir la restauration de leur gloire. C'est Dieu qui va restaurer le pasteur d'abord. Et Dieu nous aide. C'est la vérité. Amen. C'est très amen, mais c'est la vérité. Il doit échapper. Échapper dans le plan, le programme du diable pour voler notre gloire. On doit échapper. Et maman continue. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Vous ne serez chargé cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous en profanez point les offrandes saintes des enfants d'Israël. Okay. Et vous ne mourrez point. La vie, non. Toi aussi, là, ça c'est condition aussi pour vous, le sacrificateur. Quand les enfants d'Israël sont amenés tout cela, l'enfant le dit, mais tout a fait tout. Il dit, pour ne pas profiter ça, pour ne pas utiliser ça, n'importe quoi. C'est pour ça que tout le pasteur qui a dit d'utiliser la nom d'église, n'importe quoi. Ils sont déjà mourus avant la mort. Allez. Donc, il dit, l'école de marche dit, des connexions spirituelles. Des connexions spirituelles, c'est la mort. Quand quelqu'un est déconnecté, il est déjà mort avant la mort. Alléluia. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. C'est la loi perpétuelle de Dieu. Alors maintenant, on va aller voir quelque chose. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Seigneur que nous on dit qu'on a été dessus, va aller voir ça que Jésus-Christ lui-même, maintenant, il a dit. Dans le Matthieu 5, let us go and see what Jesus himself. Lord, the Lord of Lords, the King of Kings, now says also. The Kings, verse 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi
pour les prophètes, de subvenir les noms pour abolir les coups la prière. Qu'est-ce que notre papa a dit là-bas? Oui, are we in English? Are we getting the point? Jesus has said something there. In Matthew chapter 5, verse 17. He said, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy. But people are destroying the law. They don't have the real law. They get Jesus Christ and they have to where are we having? Il dit Jésus venait même au tapon pour dire que la loi depuis Genèse jusqu'à maintenant est tous correctes. C'est comme quelqu'un qui a mis le dossier dans le prophétie ou dans l'administration. Ils sont vérifiés tout, mais le tapon, papa, 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 tout est correct. Hein? Il n'y a pas de dieu. Jésus n'a pas venu dire la loi. Il a venu faire quoi? Mettre le tapon sous tout. Et maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, le pasteur aujourd'hui, et tout ce qui est aujourd'hui, a été dit qu'il a été modifier la loi de Jésus-Christ. Et ils ont oublié aussi que Jésus-Christ, c'est la loi, c'est lire la parole, c'est lui-même. Comment il va compliquer lui-même encore? Comment il va dire, il va mettre des ordres? Après, on le dit dans l'église de Saint, il n'y a pas d'ordre. Toujours se fait à ordre. Jésus, c'est ordre. Il n'y a pas d'ordre dans la fête de Jésus-Christ. Que Dieu aide dans le Jésus-Christ. Notre gloire doit ressortir. Il doit ressortir. Et c'est pour ça que Psaume 84, là, 11, il dit quoi? Il dit Dieu, il ne peut pas retirer de bonnes choses. Tout qui marche dans la sanctité. Sainteté, c'est Jésus-Christ qui marche, qui obéit la loi de Dieu, malgré n'importe quoi, malgré la situation. L'argent ne suffit pas, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Obéir la loi de Dieu, c'est ça qui peut attirer notre gloire, la restauration de notre gloire. C'est ça qui peut changer notre situation. Sinon, non. On va prier jusqu'à demain. Rien. On va seulement. Notre prière, ça qu'il fait, c'est. Je vous dis, on a en train de prendre l'eau, on a en train de verser l'eau sous le pierre. Le pierre, c'est ça, non? Le rocher. C'est ça qu'on a en train de faire. Attends qu'on n'obéit pas Dieu, on a en train de verser l'eau sous le rocher. Le rocher même va commencer, il va continuer de provoquer. Il va continuer de provoquer. Alléluia. Obéis la loi de Dieu. Marche dans la loi de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu détruire Dieu. Non, il n'est pas venu modifier même. Ça que Jésus-Christ l'a fait dans le Matthieu 19 et Matthieu 5 là aussi, c'est pour dire les enfants de Dieu. Le problème de divorcer, ou va accomplir le Dieu. Il a dit non, à partir de maintenant, non. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Moïse, oui, Moïse, il vous a laissé passer, vous êtes têtu. Oui, têtu, vous avez troublé le monsieur là jusqu'à le temps que vous l'avez éliminé. Donc c'est pour ça qu'il vous a laissé dans cette affaire. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, parce que je suis la parole, je suis la parole. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de divorce. Celui qui divorce, ne restez pas comme ça. Sinon, tu rentres, tu fais n'importe quoi, tu commets adultère. Et il n'y a pas adultère qui rentre dans mon royaume. Quelqu'un aide le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un aide. Mais tout le faux, parce qu'au fond, il va nous dire que ça ne fait rien. Jésus a déjà fait tout pour nous. La grâce nous couvre. Quelle grâce qui te couvre que tu continues dans le péché? La grâce, ça que la grâce fait, c'est pour nous faire sortir dans le péché. Et nous montre le chemin, la sanctification, la sainteté pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est ça que la grâce fait. C'est pas pour nous couver et on continue dans le péché. Quand on est crucifié Jésus-Christ, quand tu fais le péché, quand tu marches dans le désobéissance, tu es en train de crucifier Jésus-Christ, crucifier Jésus encore. Comment Jésus-Christ va te laisser de rentrer dans son royaume? Quand tu as le marteau dans ta main, en train de crucifier Jésus-Christ, tu es méchant, nous sommes méchants. On doit repenter pour que notre gloire soit restaurée. Alléluia. La restauration de notre gloire. Dieu veut nous restaurer. Il veut nous restaurer.
Ça fait du mal quand il voit sa femme en train de souffrir. Ça fait du mal quand Dieu appelle quelqu'un. Va là-bas, là où tu vas écouter la vérité. Va là, va là, va là. La personne dit, nia, 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 je ne peux pas aller, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Tu sens bien le diable à partir de pantalon. Hein? C'est nous qui dit ça. C'est un effet. C'est pas un effet, c'est la loi de Dieu. On a dit ça le décret. Genèse 35. Le temps que Jacob, c'est Lydia qui a attiré l'alliance et nous tous aujourd'hui dans la tête d'appel les enfants des Israélites. Si c'est Jacob vraiment qui est notre patresse, qui est notre papa, à travers d'Abraham, à travers d'Abraham, si c'est lui vraiment, Dieu l'a dit, retournez à Bethel. La Bible dit, il a pris toute sa maison. Et il a dit, hey, toi, tu ne rentres pas dans Bethel avec le bijou. Toi, mamie Wata, non. Toi, pantalon, non. La Bible dit, ils sont chargés même de linge. Les habits qui n'est pas bien, ils sont tous chargés. Donc, si tu as vraiment un enfant des Israélites, la loi de Dieu, là, tu vas obéir ça. Pour aller dans le Bethel. Bethel, c'est la loi que Dieu, fait Dieu, il est. Tu dois changer tout. Alléluia. La Bible dit le temps qu'ils sont tous chargés, verset 5, verset 6, verset 7. Il dit qu'ils sont en train de marcher. L'ennemi, il n'est pas touché. Parmi les lui, ils sont tous passés au milieu de leurs ennemis. Le diable vient regarder. Il ne peut pas les toucher. Parce qu'ils sont déjà sanctifiés. Ils sont pires. Il n'y a rien que le diable peut utiliser pour les accuser. Alléluia. Donc c'est ça qui bloque notre prière. C'est ça qui trouble notre gloire. Il n'y a rien qui trouble notre gloire. Il n'y a rien. Si on paie le pays Dieu, le sorcellerie, dans la personne de nous faire, il va postérer. Il va postérer, c'est ça. Les occultes, il va appeler notre nom. Quand il appelle notre nom, c'est le sang de Jésus qui va apparaître là-bas. Alléluia. Quand il va rentrer pour toucher notre enfant, les anges de Dieu sont déjà là-bas. Alléluia. Parce que notre fils est saint. Il n'y a pas une force. Le pouvoir de l'éternel nous trouble parce qu'il y a la force. Il y a la force. David vous dit notre ennemi, le diable, il marche à gauche, à droite, il cherche quelque chose. Il Apocalypse dit, il nous accuse, notre ennemi accuse jour et nuit. Il t'accuse à cause de quoi? Parce qu'il y a le péché, il y a haine. Il ne fait pas beaucoup. Haine, ça suffit pour lui. Haine, ça suffit pour lui. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Galates 5, verset 3. On rentre la prière. Galates 5. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qui est tenu de pratiquer la loi en tout entier. C'est obligatoire d'obéir la loi. Pratique la loi. Tout le monde qui est circoncis, la circoncision, c'est à l'extérieur, c'est ça, c'est le gens qui est né de nouveau. Tout homme, toute personne qui est né de nouveau, qui sont maintenant Israël de Dieu, sont obligatoires qu'on doit obéir toute la loi pour que notre vie soit correcte, que notre gloire soit manifestée. MFM n'est pas de doctrine. Ça va vous connaître ça. Quelqu'un dit ça à l'évangile. Non. MFM n'est pas de doctrine. L'église de montée de feu n'est pas de doctrine. Le doctrine qu'on a dit dessus, c'est la Bible. C'est la Bible. Et on a dit dessus et recèle tous les enfants de Dieu. On ne suit pas orthotique. C'est les orthotiques qui ont la doctrine. On n'est pas de doctrine. C'est le doctrine de Jésus-Christ. Le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. La Bible, c'est ça qu'on a dit dessus. Et renseigner les gens correctement. Et tous les gens, c'est pas seulement pour gagner la prospérité dans le monde-là, mais il dit la prospérité pour notre âme, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. Il y a un verset de notre monde, 1 Corinthiens 2, chapitre 2.
There's one thing I want to show us. We have a glory. Il y a la gloire, on a la gloire, on a la gloire. Vois ce qu'il y a pour toi, il y a des ici. On a la gloire. Les enfants de toi ont la gloire et toi dois restaurer. 1 Corinthiens chapitre 2. Commencez, il y a 1 Corinthiens chapitre 2. We start from verse 4. Verse 4 to 7. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir de 4, verse 4 jusqu'à 7. My speech or my preaching was not with enticing words. Thank you. I don't preach in enticing words. But in demonstration of the Spirit and of power. That your faith should not start in the wisdom of men, but in the power of God. The wisdom of men there, it is, ça que je prêche, c'est pas la sagesse de l'homme. Alléluia. On ne prêche pas les vrais enfants de Dieu. Un homme de tout doit prêcher la sagesse de Dieu. Ne prêche pas la sagesse de l'homme. La sagesse de l'homme, c'est théologie, philosophie. C'est ça qui a changé l'église de Dieu aujourd'hui. Théologie, philosophie. Jésus nous a dit, pourquoi alors c'était l'enseignement de l'homme? L'enseignement de l'homme, Jésus dit, non. Laissez-vous cet renseignement. Alléluia. L'enseignement des pharisiens et sadduciens, c'est philosophie, théologie. Renseignez les enfants de Dieu, la Bible. La Bible. Celui qui veut accepter, celui qui ne veut pas laisser. Mais tout ça qui partait de Dieu, il va accepter. Alléluia. Continue. How that we speak wisdom among them that are perfect. Yet for the wisdom of this world, now are the things princes of this world, that fall to naught. La sagesse du monde, le princesse du monde, ça veut dire que la sagesse du monde, théologie, philosophie, ça c'est zéro. Ça va? Beaucoup de gens sont déjà en fait à cause de philosophie, théologie. C'est zéro. Oui. Il dit, c'est pas ça qu'on enseigne là. On ne renseigne pas ça. On renseigne, continue. La mystère de Dieu caché avant la création. Alléluia. Continue. But we speak the wisdom of God. In a mystery. In a mystery. Even the hidden wisdom. Even the hidden wisdom. Which God ordained before the world. Before the world. Dieu a déjà ordonné sa sagesse, le ministre. Il a caché ça. Dans où? Dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit Jésus, c'est la sagesse de Dieu. Il est le mystère de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que. Parce que les gens ne connaissent pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la sainteté. La sainteté. Et Dieu, c'est la sainteté. Alléluia. Caché à Jésus. Continue, mon frère. Which none of the princes of this world knew. For had not, they would not have crucified the Lord of glory. Alléluia. Le 7, verse 7. Verse 8. Ok, verse 8. Verse 7. 7. 7, that's something. 7 says, but we speak the wisdom of God in a mystery. Even the hidden wisdom which God ordained before the world. Unto our glory. Pour notre gloire. C'est ça que la restauration de notre gloire, c'est très très important. On a la gloire que Dieu lui-même voulait restaurer. On a la gloire que le diable a menacé. On a la gloire qui doit briller tout le temps. On a la gloire. Tous les vrais enfants de Dieu, les joyeux de Dieu, votre gloire doit continuer à briller. Alléluia. Mais ça va briller comment? Si on suit la loi de Dieu. Que Dieu nous fortifie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous fortifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu. Merci notre Père. C'est pour cela qu'on ne doit pas jouer dans toutes ces choses. On ne doit pas jouer. Pour être dans notre prière,
Prends le 2 Chroniques 7, verset 14. To enter into our prayer, the restoration of our glory. 2 Chroniques 7, from verse 14. If my people, yes, which are called by my name, uh-huh, shall humble themselves, uh-huh, and pray, uh-huh, and seek my face, uh-huh, and turn from their wicked ways, uh-huh, then will I hear from them, uh-huh, and we forgive their sin, uh-huh, and we heal their land. Glory to God. Si nous maintenant, si nous, le Seigneur de Dieu, nous, qui est déjà racheté, et maintenant, nous sommes Israélites. Si, chapitre 17, à partir de verset 14, c'est même juste avant verset 20. Alléluia. Si on peut maintenant voir notre péché, savoir qu'on a déjà écarté, c'est ça, non? La loi de Dieu. C'est ça, non? Écarter la loi de Dieu. Si on peut maintenant voir tout ça et retourner à lui-même et dire à Père, il dit, il va maintenant écouter notre voix et il va nous pardonner. Il va retourner à nous. Il va nous restaurer. Alléluia. Il va nous restaurer. C'est ça qui peut amener la délivrance. Si on peut accepter notre erreur, certains d'entre nous ont déjà échoué. Et retourner à le Seigneur, réarrange notre vie avec le Seigneur, il va nous restaurer. Parce que la gloire partait de nous. Dieu nous a créés pour nous donner la gloire. Cette gloire partait de nous. Mais le diable a volé ça. Parce qu'on a écarté la loi de Dieu. On va élever. Lévez-nous. Lévez. Commence à parler au Seigneur. Speak to the Lord. In any form you want to use to speak to Him, talk to Him. Importe comment vous voulez utiliser pour lui parler, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il y a beaucoup de péchés. Il y a beaucoup d'erreurs. Désobéissance. Désobéissance. La Bible vous dit, je suis ici. Il ne suis pas venu modifier et annuler n'importe quelle loi. À partir de la loi de tous les prophètes. Donc, que Dieu a donné à tous les prophètes dans la Bible. C'est moi-même Dieu. Je suis la parole. Je suis la parole. Je suis venu accomplir tout. Mais le tapon sur tout, tout, c'est correct. Demandez le Seigneur. Demandez le Seigneur. Tu es venu, demandez le Seigneur. Le mensonge, la haine, dans l'église, c'est la haine. Oh, Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, parle des choses qu'on ne doit pas parler. La colère, la colère, la colère, la colère, la colère. Tout ça là, Dieu ne veut pas. Il ne veut pas voir ça au milieu de ses enfants. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. On ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper à la colère de Dieu si on continue de vivre dans la désobéissance. Si on continue d'écarter et détruire la loi de Dieu. Si on continue de vivre dans le renseignement satanique qui dit ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Quand tu as commencé Jésus-Christ, tu as confessé Jésus-Christ, tu vas rentrer dans son royaume. Ah, ça c'est le mensonge. C'est le mensonge. Tu confesses Jésus-Christ, il y a la condition. Après la confession, il va te donner ta loi. C'est pour cela qu'on doit aller dans le vrai église. Qui va nous montrer la loi de Dieu. La loi de Dieu. Il a dit, le sacrificateur, le pasteur qui est là-bas, il doit dire mon père pour la vérité. Parce qu'il a déjà fait l'alliance avec lui. Ma loi doit être dans sa bouche. Et la loi de Dieu, il dit, c'est la sagesse. Le sacrificateur doit parler à sagesse. Que mon enfant reçoive la sagesse pour connaître la vérité et pour marcher dans la vérité. Il dit le sacrificateur, il doit retourner les gens qui sont dans le péché, il doit les retourner à le Seigneur, il doit les montrer le vrai chemin. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aie mes frères, n'est pas nos doctrines. Notre doctrine que MFM a dit de pratique, c'est la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible.
Beaucoup de disent échouer, ils sont complètement échoués. Ils ne sont pas dans la Bible. Ils sont laissés la Bible, laissés la loi de tout. Mais ils sont dans leur position. Ils sont dans leur position. S'il n'est pas répandu, s'il n'est pas répandu, s'il n'est pas répandu. On a déjà vu le chapitre là qui a condamné le sacrificateur, qui a condamné le prêtre, qui a condamné le pasteur, qui a condamné même sa famille. Mais ses enfants, mais tout ça qui les concerne, tous ces gens, ils sont la malédiction de Dieu aujourd'hui. S'il n'est pas répandu, s'il n'est pas répandu, il va t'amener la vie à l'enfer. Il va t'amener la vie à l'enfer. Que parce que je suis pasteur, parce que je suis cela, ce n'est pas un garantie pour entrer dans le royaume de Dieu. Il y a même un grand travailleur, un grand alliance de Dieu, un grand position de Dieu sous le pasteur. S'il fait n'importe quoi avec la maison de Dieu, s'il fait n'importe quoi avec l'hôtel de Dieu, s'il fait n'importe quoi avec l'alliance de Dieu, il y a un grand position. Un grand position sous les têtes. Ils sont en train de faire n'importe quoi aujourd'hui. Égoïste rapide dans leur vie. Égoïste rapide dans leur vie. Ils pensent que la maison de Dieu a revenu à une entreprise. Ils reviennent à une entreprise. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà détruits. Ils sont déjà détruits leur vie, détruits leur famille, détruits les enfants. Oh, c'est un pitié de nous. On doit marcher dans la vérité. La vérité, c'est amer, mais c'est la vérité. C'est amer là que Dieu l'a envoyé pour nous réagir, pour rentrer dans son royaume. On doit obéir, tous les enfants de Dieu. Si vraiment nous sommes les enfants de Dieu, la loi de Dieu, c'est la loi pour tous les yeux de Dieu. Tous les yeux de Dieu, tous qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, ne doivent pas discuter la loi de Dieu. Pour la restauration de notre gloire, que notre gloire soit restaurée. La gloire des familles, la gloire des enfants, la gloire des parents doit restaurer. Si on peut obéir la parole de Dieu, obéir la loi de Dieu, la loi de Dieu ne doit pas jouer. Ils disent sa loi c'est perpétuel, c'est irrévocable. Personne ne doit pas modifier sa loi. Personne ne doit pas modifier la loi de Dieu. On ne doit pas modifier même le sacrificateur. Tous les sacrificateurs aujourd'hui avaient de modifier la loi de Dieu. Avaient de modifier la loi de Dieu. Avaient de modifier. Prêche les choses. Ils sont en train de prêcher les choses que les gens voulaient écouter. Ils vont écouter. Ils commencent à acclamer la mer. Les vraies églises de Dieu, c'est difficile pour voir le temps que les gens ont envie d'acclamer la mer. Si le message de Dieu vient, les gens n'ont pas le temps pour acclamer la mer. Parce que le message de Dieu, il doit frapper les enfants de Dieu, il doit toucher les enfants de Dieu, il doit ramener les enfants de Dieu dans le Seigneur, il doit porter les enfants de Dieu le chemin de Dieu, que les enfants de Dieu repartent et retournent au Seigneur. Ça, c'est ça que le sacrificateur doit faire. Priez, demandez le Seigneur de se blesser. Où est là où Dieu fait l'erreur? Où est là où Dieu est échoué? Où est là où Dieu a été combat contre la loi de Dieu? Où est là où Dieu a été dérangé et détruit la loi de Dieu? Où est là où à cause de le message, à cause de l'enseignement satanique, l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, que Dieu a été de faire, qui a été de détruire aujourd'hui, qui a ouvert la porte pour le diable, pour voler ma gloire, pour voler la gloire de ma famille, Seigneur, aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Nous sommes là ce soir, Seigneur Jésus, pour demander, Seigneur, aie pitié, pardonne-nous. On veut la restauration de notre gloire. On a déjà trop souffert. On ne sait pas, Seigneur Jésus. Maintenant, notre Dieu est ouvert. Pour la vérité. Pour marcher dans la vérité. Pour la restauration de notre gloire. Aie pitié de nous. 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 Aie p
soir, Saint-Esprit. Aie pitié, Pardonne-nous, Saint-Esprit. On veut la restauration. Restauration de notre bras. Saint-Esprit, aie pitié. On n'est pas sérieux. Sérieux avec ta maison. Sérieux avec ton œuvre. Sérieux avec ton appel. Ton appel dans notre vie. C'est aie pitié. Le mensonge dans notre vie. Lave tout, Saint-Esprit. La haine. Le deuil, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Help us, Lord. Have mercy. Your mercy. Small lives. Big lives. Have mercy, Lord. Still in the house of God. That's one fool in every church. The men of God using the money of the church, doing all the things, riding cars, building cars, buying place, buying all kind of things, living a flamboyant life, and the members are suffering. And the church has suffered. Oh Lord Jesus. The Lord said, I will punish them. You sacrificator, you that pastor, making use of the money of Israel of God. Anyhow, he said, I will deal with you. Ask Lord to have mercy. Father, have mercy upon me. Say, Épitez de moi. Dans le livre, il a parlé. Il dit, vous ne devez pas manger. Le dîme de ça. Il a détaillé tout le dîme. Il dit, vous ne devez pas manger. Vous devez me donner le dîme de toutes ces choses-là avant que vous mangez pour vous. C'est la loi perpétuelle qui est établie pour mes enfants. Cette loi, cette dîme, pour garder ma maison. Pour faire que mon œuvre avance. Personne ne doit pas toucher. Personne ne doit pas faire n'importe quoi avec cet argent. C'est pour garder ma maison. C'est pour voir que ma maison avance. Mon œuvre avance. Tout ça qui me concerne, ça avance. C'est épité de nous. Toute désobéissance qui a été arrêtée dans notre vie, c'est lave-nous, purifiez-nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Père. Au nom puissant de Jésus, on va prier. Amen. C'est dans le fire. The Holy Ghost. The Holy Ghost fire. Mes enfants, revenez à moi, je vais aussi revenir à eux. Mais maintenant, on va commencer de prier. Saint-Esprit, revenez à moi. Saint-Esprit, cela, disons, come back to me. Father, come back to me. Retourne à moi. Je veux rentrer dans la prière maintenant. Seigneur, exauce ma prière, Saint-Esprit. Je rends dans ma demande, Saint-Esprit. Viens exaucer ma prière. Donne-moi la puissance pour prier, Saint-Esprit. Saint-Esprit, couvre-moi avec le feu. Couvre-moi avec ton sang, couvre mes enfants, couvre mes enfants. Merci Dieu, merci Seigneur, merci notre Père. Au nom puissant de sa prière. Ange de Dieu. Descends dans tous les quatre coins du monde. Et récupère ma gloire.
terre, tous ceux qui sont venus dans ma vie, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui sont venus dans ma vie, tous ceux qui sont venus dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, tous ceux qui sont venus dans la vie de mes enfants, à partir de maintenant, je demande la récupération, la récupération, la récupération, la récupération, et le chrétien, la story in my life, de la formature, in my marriage, dans mon mariage, tous ceux qui sont volés, je demande la récupération à partir de maintenant, ange de Dieu, 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 descend dans le quatre fois de mort, quatre fois de mort. À partir de maintenant, c'est le point de restauration. C'est le point de restauration. Je dois restaurer ma gloire, doit restaurer la gloire de mes enfants, doit restaurer. Je demande à partir de maintenant la restauration de tout, toutes nos choses. Ils sont volés, ils sont volés, ils sont volés dans ma vie depuis le vent de ma main, depuis le vent de ma main, depuis le vent de ma main, depuis le vent de ma main. Toutes nos choses, ils sont volés. Seigneur, bouche et touche cette nuit de sang. Que ça revienne ton sang, par ta puissance de ton sang, de consacrer cette nuit de sang. Que ça revienne au sang de Jésus-Christ, le sang de la gloire, le sang qui restaure la gloire, le sang qui change la situation, le sang qui amène la lumière de Dieu dans la vie de chaque enfant de Dieu. Seigneur, demande que cette vie revienne
la puissance de Jésus-Christ. Par la puissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand ça va toucher notre vie. Seigneur Jésus-Christ, que le feu de restauration touche notre vie à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute chose qui doit éliminer, annuler et détruire la malédiction, la difficulté, le chômage, l'échec, rejet, difficulté. Seigneur Jésus-Christ, la mort spirituelle, la mort physique, la mort prématurée, que tout soit annulé à partir d'aujourd'hui. Parce que quand la gloire s'est restaurée, toutes choses reviennent de nouveau. Seigneur, je déclare, c'est le moins de nouveau que la puissance de nouveau prend contrôle de cette lutte en chant. Au nom puissant de Jésus avec prière. Au nom puissant de Jésus avec prière. Au nom puissant de Jésus avec prière. Maintenant, mettez sous notre tête les bois et prends quelques bois. Et les enfants. Alléluia. Il y a la puissance dans le sang. On peut poser maintenant, on peut poser notre livre ensemble. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Vous brisez le chien, vous brisez le chien, vous brisez le chien, vous brisez le chien, vous brisez le chien. Toute malédiction. Every curse. Toute malédiction. Sur ma tête. Malédiction inhéritée. Malédiction inhéritée. Malédiction déclarée sur moi. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, mais pour ça, il est sur le ma gloire en terrain dans le hôtel en portugais hôtel. Par la puissance dans le sang de Jésus. Toi, c'est ton père. Toi, c'est qui dort. Toi, c'est ton père. Toi, c'est qui dort. Responsable de porter ma gloire. À partir de maintenant, sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. De qui c'est ton père? Merci Seigneur Jésus, merci, merci. Ton fait, à tous les coups, laisse ton temps, puisse ton temps, puisse ton temps. Libère la gloire des enfants de Dieu. Libère le pouvoir, libère, libère la gloire de l'Église de Dieu, la gloire de l'Église de Dieu, la gloire de tout le monde de l'Église de Dieu. Sois libère, 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 sois libère. Thank you, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci pour la libération de votre gloire. La restauration. Thank you. Restaure la gloire. Restaure la gloire de mes enfants. Restaure, restaure. La gloire nous appartient. La gloire de Dieu nous appartient. Tu m'as dit la restauration. La restauration. La restauration. À partir de maintenant, pour nous soumettre, ma gloire est restaurée. À partir d'aujourd'hui, c'est disparu. Tu entends et tu déclares que cette fauteuil soit disparu, soit disparu, soit disparu, soit disparu, soit disparu, soit disparu. Le problème de santé soit disparu. La restauration de la santé. Tu envoies ici, Dieu va gagner. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Toi, la reine des côtes. Toi, pouvoir qui contrôle le monde. Qui a capturé ma gloire. Et la gloire de mes enfants. Et la gloire de mes enfants. Toi, en cotique. Toi, en cotique. Toi, féticheur. Toi, féticheur.
gloire. Tu as capturé ma gloire. Toi, ce sont les livres. Toi, ce sont les livres. Tu as capturé ma gloire. Les arbres. Alléluia. C'est la gloire des personnes depuis longtemps. C'est sous les arbres. Alléluia. Ils sont croyés à là-bas. On va lever notre voix. Tout matériel. Il y a de la part de photo. On va sous les arbres. Alléluia. Des textes sont des photos à donner. Des piles de personnes on détruit. Thank you, Jesus. Maintenant, on va lever notre voix. Oh Dieu qui révèle les choses. Oh Dieu qui révèle les choses. Oh Dieu qui révèle les choses cachées. Oh Dieu qui révèle les choses cachées. Par ta puissance. Par ta puissance. Par ta puissance. Par ta puissance. Je localise cette âme. Je localise cette âme. Cette âme. Cette âme. Responsable de ma situation. Responsable de ma situation. Cette âme. Cette âme. Vous qui a volé ma gloire. Qui a volé ma gloire. Cette âme. Cette âme. On m'a crucifié. On m'a crucifié. Cette âme. Cette âme. Qui trouve mes enfants. Qui trouve mes enfants. Qui trouve mon avancement. Qui trouve mon avancement. Qui trouve ma joie. Qui trouve ma joie. Par la puissance au sein de Jésus. Par la puissance au sein de Jésus. Par la puissance au sein de Jésus. Thank you, Jesus. S'il vous plaît, s'il vous plaît. N'oubliez comment la Bible dit, Dieu même comment on appelle ça? As. As. Pour ça qu'on utilise pour couper les arbres. Ash. Ash. Alléluia. Ash. Par la puissance de la parole de Dieu. Par la puissance de la parole de Dieu. Je localise cette arme. Je localise cette arme. Avec le H de Dieu. 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 Et à partir de maintenant. Je coupe cette arme. À partir de la tête jusqu'à la pied. Il coupe cette arme. Thank you, Jesus. Depuis les racines, c'est 17.
Peuple de racine de cet arbre. Je mets les haches de Dieu. Je mets les haches de Dieu. Peuple de racine de cet arbre. Et les débuts de notre arbre. Maintenant, la foi de Dieu dit, comme la foi de Dieu dit, dis-le de brûler cette âme. Et quand vous brûlez, même la puissance qui a mis ça, qui a fait cette nouvelle acte contre moi, il dit, tout sera brûlé. Maintenant, on va demander, le feu de Dieu localise. On a rappelé qu'on a déjà coupé, on a déjà coupé. Maintenant, c'est pour brûler maintenant. Ça doit brûler complet. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Dieu, merci Seigneur. Merci notre Père. Sortez votre prière. Alléluia. Sortez votre prière.